Le Front National se défend de tout plagiat et tente de retourner les accusations à son avantage. Hier, à son meeting de Villepinte, Marine Le Pen a emprunté à François Fillon plusieurs passages d'un discours mi-avril au Puy-en-Velay. C'est le compte Twitter Ridicule TV qui a révélé le plagiat, un compte qui serait pro-Fillon et se moque des candidats. La Manche et la mer du Nord qui nous relie ouverte au monde anglo-saxon et sur l'immensité septentrionale. La façade atlantique qui nous ouvre depuis des siècles, le grand large et qui nous livre ses aventures. La façade méditerranéenne, foyer de civilisations humaines parmi les plus vieilles et les plus riches de l'histoire. Il s'agit d'un petit clin d'œil, parce que dans le discours qui était celui de François Fillon à l'époque, il y avait un certain nombre d'éléments intéressants, et c'est vrai, à l'heure du buzz, on a constaté que ça faisait parler. Non, encore une fois, ce clin d'œil, je crois, a été apprécié, y compris par l'ensemble des électeurs de M. Fillon. Draguer les électeurs de droite et les indécis, c'est en effet une des priorités de Marine Le Pen. La candidate veut y croire. Les manifestations contre sa présence au deuxième tour ont rassemblé hier beaucoup moins de personnes qu'en 2002.